Et salut à tous, c'est le pouce bleu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle map, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like, et sur ce je vous dis bonne vidéo. Alors déjà quelque chose que j'ai remarqué pendant le tour, voilà, c'est que ce chien est en train de se déplacer assis. Donc cette map s'appelle The Underworld, ah tiens, je viens de recevoir un message dans le chat. Alors d'après le message dans le chat, ça lui a pris une année entière pour faire cette map. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, Martin Winou. Oh, il y a des... Ah d'accord. Ah oui, j'avais même pas vu sur les barils. Jouer. Ah ok, d'accord, c'est un temps de chargement. D'accord, la map se charge. Désolé, la map a besoin de temps. Téléportation. The Underworld, le monde du sous-sol. Alors juste, pourquoi on me donne de ceci? Alors oui, du coup je suppose qu'il y aura des énigmes. Voilà, et le poser juste ici, on ne peut pas. Ici on a un petit levier. Au fait, j'espère que cette map vous plaira, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Alors, allumons un TNT. Ok, d'accord. Donc en fait le fil de redstone sert à rien. Ah ok d'accord. Ah oui mince, j'ai pas les animations. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Et... Ok. Oh d'ailleurs, j'ai même pas vu en fait. Il y a tout un truc en haut. Donc là on arrive dans une grotte. Des minerais de fer, peut-être pour plus tard. La l'épée, ah oui. Ok. D'accord. Quelque chose me dit qu'on va devoir se combattre. En tout cas, on va poser le levier là. On va... Je suppose qu'il faut cliquer dessus comme ça. Ok. Ah. Ok, donc il y a 8 checkpoints. Donc en fait, les trucs comme ça, c'est des checkpoints. Donc je suppose qu'il y aura des monstres. Ok. Ah, par contre là, ouais, ça pue la mort, donc je vais essayer de pas tomber. Ah. En fait, le bruit me fait extrêmement peur. Ok, par contre, là, on a un... Yes. Des rails. Ok, par contre il y a quand même vachement de charbon, hein. Là ça doit être un bon filon. Merci, mais non merci. Comment on... Ah c'est bon. Ah yes, nickel. On ne pourra plus jamais accéder à l'intérieur de cet endroit. Ok, là on a un truc pour bouger les rails. Donc je suppose qu'il va falloir faire comme ça, parce que comme ça il arrive par là. Là on va se mettre un deuxième checkpoint. Par contre tu es un petit peu bloqué mon ami sur... c'est quoi ça? C'est un champignon Ok. Ah, j'ai ouvert ça. Torche éteinte. Par contre là, on a... Oh, il y a des cristaux. C'est plus qu'un pack de textures ça. Yes, je pense qu'on va plutôt passer par là. Ah. Par contre ici, il y a un petit passage qui m'inspire. D'accord. Moi qui pensais qu'il y aurait quelque chose de caché. Ok, bah on va suivre cette tête de la mort. Qu'est-ce que... Ok, on peut pas passer. Mais c'est vachement stylé là, le truc comme ça. Je sais pas si c'était comme ça de base, mais je savais pas que les bulles éclataient à la surface. Donc là, on change les rails. C'est quoi ce... On reviendra plus tard, peut-être avec ça on peut l'ouvrir. Non. Et ici, on a... Oh, un chien. Des flèches. Shift plus wolf. Jump plus wolf. Hein, j'ai pas compris. On va pousser ce minecart. Oh, tiens, il y a de l'émeraude là. Ok, on continue à pousser le minecart. Je suppose qu'il faut l'emmener là-dedans. Des portes sont ouvertes. Ah oui, pour allumer la torche. Parfait. Et... Ah, ça m'a fait quand même vachement de... C'est quoi ça? Une clé. Alors, viens ici, petit coffre. Alors, de la stone. Ah, tiens. Il y a un... Bloc ici, faut que je retienne. Ah, c'est bien fait. Quand on est dans l'eau, on tape moins lentement. Plus lentement. Ah bah oui. Parce que j'ai... Oui, oui, c'est ça. Et là, je... Ah oui, d'accord, ok. Ok. Enfin. Par contre, je sais toujours pas ce que... Je viens de tuer mon chien. Je viens actuellement de tuer mon chien. Puisque le panneau disait Shift plus Loup. Peut-être qu'il est réapparu là-bas. Et qu'est-ce que... Mais... Ah, d'accord, je vois, yes. Alors, ah, c'est quoi ce que je viens de recevoir?
Prenons notre épée et avançons. Ok, descendons. Ok, et maintenant, on a des boutons là. Il nous manque un bouton juste ici. Ah, tiens, il y a un truc là. De l'eau. Je vais le mettre là-dedans. Ah, d'accord. Il y avait sûrement un bouton de pierre au fond du truc. Ah, d'accord, c'est un... Alors, j'ai pas du tout compris comment ça marchait le truc. Mais d'accord. Ah, là, on a un spawner de monstres. Ah, si, c'est bon. Ça dégage. Ok, par contre, j'ai plus du tout de vie. Donc, je vais partir. Mais aide-moi, le chien, là. Faut vraiment se combattre contre les araignées. Il n'y a rien d'autre à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la salle. Je vais pas bien explorer. Non, il n'y a rien dans les murs. Ah! Attends, juste, je me débarrasse de cette araignée. Ok, j'ai... Ok. Ah, mais faudrait peut-être prendre l'ascenseur avant qu'il disparaisse. Yes. Ok, déjà, il n'y a rien dans les barils. Je vais juste prendre le checkpoint. Ah. Bah, yes. Ah. Find the hidden lever. Ici, déjà, il y a un dropper. Oh. Il y a un fossile juste là. Je vais essayer de descendre sur les eaux. Sachant que je n'en ai absolument aucune idée. Si mais c'est une bonne idée ou non. J'ai trouvé le levier au moins. Je pense que par là, c'est une bonne alternative. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Ah, une pelle. Oh, il y a du diamant juste là. Parfait. Qui peut casser du gravier. Ah oui, là. Yes. Et descendre juste là. Yes. Ah, par contre, il y a un squelette, je crois. Donc... Yes. Ah, yes. Il y a un chat qui est emprisonné dans la glace et qui dit qu'il adore les gâteaux. Ok, encore un stray, par contre. Taillot. Bah voilà, problème réglé. Là il y a un bouton. Quelque chose me dit qu'il faut que j'aille voir ce bouton. Bouton. Yes. C'était un ascenseur. Un arc. Enfin. Ah, on peut casser des stalactites avec une flèche. Et on a un coffre fermé. Ah. Oui, on peut casser des stalactites juste là. Je vais casser ça. Yes. On va poser ça juste ici. On va s'éloigner. Je suis plus que 2 coeurs et demi, mais sinon tout va bien. Mais c'est une Find the Mouton là pour... Ah, on peut détruire les boîtes de fer. Et on peut détruire des... Ouais d'accord, c'est pour détruire toutes les caisses quoi. Ça marche comme le sable, donc du coup je vais pas tout détruire. Ah, un checkpoint. Parfait. Par contre, les craquelures du sol encore là... Sachez que ça me stresse énormément. Ok, là on a des caisses en bois. Ah! D'accord, ça nous empêche de sauter. D'accord, en fait c'est un labyrinthe un petit peu le truc. Ah, yes, par contre, d'accord. Ok, deux, un bouton. Ne pas cliquer. D'accord, j'ai cliqué. Ça m'a redonné de la vie. Pourquoi ça fait un bruit comme ça? Ok. Les caisses en bois, c'est vraiment que des surprises. Rien. Ici. Ah. Yes. Ah, c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il fallait que je cherche des boutons. Des chauves-souris. Ok, c'était extrêmement flippant, mais d'accord. Ok, c'est bon, je fais le tour de la bibliothèque. Ah. Ah d'accord, je croyais qu'il fallait essayer de l'attraper, mais en fait non. C'est un piège. Bah yes. Ok, je crois que là, il y a les dernières caisses. Oh non, c'est super long à casser maintenant les trucs.
D'accord, en fait, ça inonde complètement la bibliothèque. Donc, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de rester ici. Par contre, quel est ce bruit? Ah, tiens, là, on a une table d'enchantement qui ne sert à absolument à rien. Ah, bah, il y a un bouton là. Le bouton ne marche pas du tout. Il y a un bouton là aussi. D'accord, le bouton ne marche plus du tout. Cassons ça maintenant. Ok, un. Et ça. Rien. Ah, sous l'escalier, voilà, je me disais bien qu'il y aurait un bouton. Faut pas cliquer dessus, hein. D'accord, lui, je l'ai activé. Ah, bon, ok, je me disais bien, ici, c'était un coin un petit peu isolé, reculé. Ah, j'ai encore le truc. Ah oui, c'est vrai que ça me régénère, ce truc, c'est pas mal. Ah, il y a un bouton ici aussi. J'ai l'impression qu'il marche plus, les boutons, c'est normal. Ah, je suis pas allé là-bas, d'ailleurs. Ok, un coffre. Du lapis. Ah, il y a un autre bouton là. Ah, ici aussi, j'avais pas vu. Peut-être qu'il faut le faire dans un certain ordre aussi. Hein. Ah, il y a un bouton ici aussi. Là, on peut rien enchanter. Là non plus. Là non plus. Donc, je sais pas du tout à quoi sert ce lapis, mais d'accord. Ok, alors j'ai un problème. Je trouve absolument tous les boutons. Donc, il y en a le premier, le deuxième, le troisième qui est juste ici, le quatrième là. Le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième et le dixième juste là. Et pourtant, ça ne marche pas. Bon bah, je vais réinstaller la map et je vous retrouve quand je suis revenu ici. Ok, alors c'est bon, je suis revenu ici. Donc normalement, là, tous les trucs marchent correctement. Tous les boutons sont activés. J'ai touché à aucune caisse en bois. Et du coup, maintenant, on va pouvoir appuyer sur le dernier bouton et voir enfin qu'est-ce qui est censé apparaître. Et... What? Qu'est-ce que... Mais... D'accord, je dois combattre un golem. Ça n'a absolument aucune raison. What? Qu'est-ce que... Ça devrait aller, j'ai juste à rester à distance pendant que le chien le bouffe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les lapis là. Heureusement qu'on a de la régénération, parce que sinon, je pense que je serais mort depuis longtemps. Ah d'accord, il envoie des boules de feu. Tout va bien. J'utilise le fait qu'il m'envoie... Ah, par contre, pas de magma cube pour moi, s'il vous plaît. J'utilise le fait qu'il m'envoie en l'air pour pouvoir le strapper. Par contre, il a l'air d'être un minimum intelligent. Donc, faut que je fasse attention. C'était quoi ce bruit-là? Ah, mais il se régénère. Ok, je vais faire comme ça. Ce serait beaucoup plus efficace. Ça me tue assez rapidement. Mais comme ça, il se régénère pas. Donc avec ma technique, là, je perds un maximum de vie. Mais je le tue plus rapidement que je qui me tue. Donc du coup, c'est bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus de dégâts. Au fur et à mesure qu'il perd de la vie. Ou alors, c'est parce qu'il m'envoie des boules de feu, je pense. Ok, il lui reste très peu de vie. Et... Enfin! Ok. Ok, on va pouvoir enfin se barrer. Je serais mort 4 fois contre lui, mais au moins j'aurais réussi, c'est l'essentiel. Et c'est bon, du coup on va pouvoir accéder ici. Alors, me dis pas par contre que c'est du jump. Car je n'apprécie pas le jump, en plus il y a un squelette juste ici. Bon, déjà on va pouvoir sauvegarder. Checkpoint 5, voilà. Et maintenant on va pouvoir se quitter là-dessus. Et oui, parce que la vidéo commence à être un peu longue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi pour l'instant j'aime bien cette map. Bon après je pense qu'avec le jump je vais un peu moins l'aimer. Donc si vous voulez pas rater la suite de la map dans 2 semaines, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Et sur ce je vous dis à la prochaine.